Ça va, Faïda, pas trop fatigué? Ouais, ça va. Si, là, je suis fatiguée, 5h30, ça pique. Mais bon, on va rattraper ça. Yes. Programme de la suite, c'est quoi? C'est entraînement ce soir? Ouais, je pense, petite activité ou entraînement, nous n'est pas joué encore. Là, on va se poser déjà dans les chambres et puis on verra après. Marie-Ève, premier jour du stage et déjà ton anniversaire. Bah écoutez, ça n'a pas été vraiment un cadeau de me réveiller à cette heure-là pour mon anniversaire, mais c'est pas grave. C'est le premier entraînement, c'est le veto. C'est un peu des jours bizarres comme ça, on n'a pas dormi de la nuit, on a voyagé, on se sent un peu mou. On fait un bon échauffement, vous pouvez y aller à fond sur les échauffements, etc. Par contre, les randonnées, on est vigilant et on n'est pas occupé à faire l'entraînement de sa vie aujourd'hui. Okay, c'est une prise en main un peu et on est calme. Première mise en main, on va dire. Tout ce qu'ils vont faire maintenant est fait pour faire champion olympique. Donc il y a l'aspect aussi technique qu'on va aussi travailler ici. L'objectif de la Ligue des Champions est un objectif très important. Ils n'ont pas besoin vraiment de travail spécifique pour être en forme. Les Europes, c'était il n'y a pas très longtemps. Ils sont encore en forme. On a pu manger, bien se reposer et récupérer des forces pour l'entraînement de ce soir. C'est cool, c'est assez familial. Malgré que nous on vient de l'extérieur, ils nous encouragent, ils nous corrigent, ils nous motivent. Donc ça c'est ça que j'aime bien ici, c'est vraiment la sensation et l'ambiance grande famille et passion du judo. Donc pour moi c'est le fait de venir ici, c'est prendre un bon bol d'air frais et recharger les batteries. Challenge avec qui? Avec Alexis? Ouais, le coach a décidé de changer. Capable de faire mieux, tu penses? Je sais pas, mais c'est comme ça, ça va le pousser. C'est pour ça qu'il a fait ça. Pas là. Du coup, on commence à faire de Starheim ce matin, quoi. Mais c'est mieux, comme ça, j'ai deux coachs pour moi. J'ai un peu privilégié, tu vois.
après, avant ça, on fait vite une photo pour les JU dehors, là. C'est nous que tu manges, c'est nous que tu manges. Mais écoute pas, c'est nous que tu manges. Si tu te fais bouffer, après comment t'es... Mais non, mais il dit n'importe quoi, écoute pas, mange-le. Je te jure, mange-le. Mais moi, j'ai pas regardé. Mange-le. Je l'ai dit moi-même. Mais oui. Rien dire. Une, deux, trois, non. Je te jure que ça va rien dire. Ça fait longtemps. Hop là. Ouais. Ah, c'est le fond. Demain, ça, on a pas besoin aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle. Bah là, je vais préparer les dossards. Donc là, les dossards officiels, ils sont prêts. Et derrière, il faut mettre la pub avec le nom du club. Là, on les fait coudre au couturier. Et après, sur le lieu de la compète, on fait, ils nous donnent l'autocollant comme ça, publicitaire qui correspond. Parce qu'en fonction des différentes compétitions, ils ont des partenaires différents. Et nous, derrière, c'est à nous de faire le job pour décoller ça et le coller correctement. Et de 1. On partage des moments de joie, mais aussi on a les copains copines qui viennent essuyer nos larmes quand ça va pas. Après, je pense qu'il y a aussi ce côté cohésion où partager sa chambre avec quelqu'un, c'est toujours pas mal. Après, il y en a beaucoup qui préféraient être seuls. On a déjà fait des expériences où on a fait des stages étant seuls dans la chambre. On a notre confort, c'est très bien. Mais sur un séjour de 3-4 jours, en vrai, c'est pas... Quand on a 2 semaines de stage, là, on aime bien avoir notre moment de seul. Mais après, en compétition, comme ça, au moins, tu parles, tu passes... T'en passe plus vite, quoi. Mais là, je vais faire la chambre. Voilà la colocation, la réalité. Instagram, ici, de réalité. Elle me saoule. J'ai été blessée, donc c'est important de faire un peu de renfo et je suis plus toute jeune, hein, à 27 ans, faut s'entretenir. Demain, c'est un objectif important pour le club, donc forcément pour moi. Avec les filles, oui, ça va être un beau challenge d'aller gagner. On va prendre équipe après équipe, ça va le faire. On n'est pas deux équipes, on est une équipe. L'objectif, c'est gagner, mais comme en individuel. Un combat, une équipe. Et puis, si on a fait le travail, il y aura une deuxième équipe. Si premier combat, on pense déjà à la médaille d'or, il n'y aura rien du tout. Il y a un capitaine par équipe. Pour les garçons, forcément, c'était dit. Et pour les filles, on a choisi Amandine. Ça va être une belle aventure. Teddy, tu lances le ici, c'est Paris. Allez, venez ici. Allez, tous ensemble pour demain. Ici, c'est Paris. Donc là, nous partons à la compétition. Et ça, c'est la même couleur que la médaille que nous allons rapporter aujourd'hui. Ah, la vogue. C'est parti. Seulement 3 étrangers sur cette équipe parce qu'on a suffisamment de bons athlètes avec le PSG. L'important c'est de jouer tactiquement aussi et préserver pour les tours suivants pour certains. Mais c'est vraiment un peu en fonction de la tactique que ça va se passer. Ça va.
T'as mis une, pardon. Trois kills, pardon. Donc là, il y a les titulaires. Ça commence par les plus, donc par Roman. Et après, ça va enchaîner avec Amandine, Priscilla, Lucie Renchal et Margot. De l'équipe hein, en vrai. Alpha dure le premier combat, mais derrière on se remobilise et tout. Donc c'est cool, ça montre bonne chose pour la suite. Le premier tour il est jamais évident aussi, on le sait tous. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça avance. Il y a une grosse demi qui se prépare et on va aller chercher encore plus après. 66, Walid. 73, l'achat. Et tu vois un tato. Nice. Je fais un petit coup de guerre, on donne la meilleure version de son. Ok, let's win. Ok. Paris! 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 Paris!
tribune, je savais que ça allait être un gros match. Mais en plus, c'est moi qui lançais l'équipe. Et il fallait que j'assure mon poids pour leur donner une certaine dynamique derrière. J'ai fait mon job, maintenant, place à la finale. Vous êtes une patronne. Vous êtes une équipe française. Ça ne veut pas dire qu'on y va tranquille en disant c'est bon, c'est une équipe française. Notamment, c'est plus dur. On se fait pas avoir. Pas plus dur. On prend personne à la légère. Donc voilà, on va le prendre sérieusement. Et puis, on va appliquer ce qu'on a appliqué depuis le début de la journée. Ça va aller. Mais moi je serais prête. Que tu sois vigilante sur tes appuis et tout ça. T'inquiète, je passe. C'est ça, elle se déplace là. Toi tu travailles bien sur lui. Bah le pari en fait un peu comme tu vas le dire. Aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. On était venus pour l'or. Malheureusement, on repart avec le bronze. Une belle équipe. C'est dommage. L'année prochaine. Rise up. Stand tall. Phoenix, too close to the sun, gotta burn this and raise this. Number one on the hit list, take aim but you miss, I exist, I'm the greatest. Never fall, never fail, bulletproof to the core, bringing power to the cause. Rise up, I'm the alpha, headstrong, never stop, here forever, your nostalgia. I'm a superpower. Ça y est, hein. On a enfin brisé la malédiction, donc c'est cool. Dommage pour les mecs, mais ça sera pour l'année prochaine. En tout cas, je suis fier d'elle, c'est bien. C'est une belle médaille pour l'histoire du club, pour nous.
Voilà, on sait qu'on pouvait, et cette Ligue des Champions, elle était pour nous, on aurait pu faire le doublé. Mais voilà, on est quand même content pour les filles. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est les erreurs de chacun, et puis se servir de ces combats pour continuer cette préparation olympique. Et pour l'histoire, on va essayer d'y voir l'année prochaine. Ah, forcément, je suis contente pour moi et pour les deux équipes. C'est pas forcément facile de s'engager sur des compétitions comme ça en fin d'année, après les longues saisons qu'on a en individuel. Donc non, je suis vraiment contente que derrière, on ait prouvé que voilà, on avait les moyens de le faire. C'est satisfaisant dans la mesure où le club attendait ça depuis longtemps et puis de le faire avec les filles. Donc voilà, une autre nouvelle case de coucher. Depuis 2018, on monte les échelons, à chaque fois on progresse. On a gagné l'Europa League, on a fait le doublé, on a gagné les France. Deux années d'affilée, on fait le doublé. L'an dernier, on fait la Champions League, on fait 3 chez les filles, 7 chez les mecs. Là, on gagne chez les filles et 3 chez les garçons. Normalement, l'année prochaine, on gagne chez les filles et les garçons, mais bon, ça progresse bien. Au niveau du club, au niveau du groupe, le monde, l'ambiance. Ça se prépare bien, les JO, tout ça et tout. Non, non, c'est une bonne... C'est satisfait. C'est quand même aussi quelque chose d'exceptionnel. Les filles qui gagnent la Champions League pour le PSG, ça n'est pas arrivé non plus. Donc voilà, on venait pour le doubler. Maintenant, le sport, c'est comme ça, ça peut arriver. Là, c'est que 5 points. C'est vrai qu'on a des grosses équipes. On l'avait crié haut et fort qu'on voulait venir. On venait absolument pour les deux médailles d'or. C'est comme ça peut arriver, on s'est ressaisi quand même et on a été chercher une médaille d'or et une médaille de bronze.